After listening to the speakers we had, it's very difficult to add something. But at least I'd like to stress out three things I picked up and I learned from the presentations. First, when Ron Susskind stressed that what they went through, the adventures of the family, what they have built, defies measurement. That seems to me a great thing in a world in which more and more everything tries to be reduced to strict measurement, including a kind of fetishism of that. To have this proof of something that goes beyond, and like what he says, everything or every time you find a disability, something that's stressed, marked a disability, you have something new that can take place if you give it its own place. The second thing I learned from what Dan Griffin said is, what strikes me is how he balanced the opposition between what's strict repetition and what's new, how the new comes to repetition, that you don't have the strict opposition between a world in which there is, you have to distrust the repetition, but rather you have to count on it, to use it as to make the new surge within the repetition itself. And in your other testimonies, I'm especially sensitive to the way in which you transmit this and how to push a little beyond that, beyond the point, the usual articulation between repetition and new. And what I learned also, third thing from what Owen said to us, is when he says that in his long journey, he has learned to reach beauty everywhere. Beauty is something that precisely cannot be measured as such. It's something that a quality that appears or something that defies exactly its wording linked to it. So to learn to see beauty everywhere, once you've seen it in your own world, gives an idea of how to use words different than meaning of life or purpose. But beauty seems to me a more, more larger picture, transmit to us a larger picture in the relations between inner world and outside world. And I'd like to thank them for what they transmitted to us precisely today. Perhaps we can have change with or Myriam or with the room. Non, mais je peux aussi le traduire moi-même. Non, j'ai dit qu'il y avait trois choses. Je voulais simplement souligner trois choses avant la discussion, ce qui peut éventuellement avec la salle. Que le point que Ron Susskind nous a, le point que j'ai retenu, il y a beaucoup de choses dans ce qu'il a dit, mais un point qui était cette idée que l'aventure qu'ils ont traversée, ce que sa famille a construit, ce qu'ils ont inventé, défie la mesure, et que dans un monde où nous sommes pris dans le fétichisme du chiffre, où tout tente de se nommer à partir d'une simple, de la seule langue du chiffre,
c'est la preuve même qu'il y a quelque chose qui y échappe et qui est peut-être le plus précieux. Et aussi lorsqu'il a dit que chaque fois qu'il y a, n'est-ce pas, nous pouvons isoler ou mesurer un handicap, en anglais disability plus large que handicap, mais chaque fois qu'on peut mesurer ce handicap, il y a quelque chose de nouveau qui surgit. Et en effet, l'exemple d'Owen nous a pu nous le montrer. J'ai noté dans ce que Dan Griffin a dit, l'usage particulier qu'il transmet n'est-ce pas, de l'articulation entre la répétition et le nouveau. L'opposition qui est trop souvent faite, stricte, entre la répétition et le nouveau, ne permet pas de rendre compte de ce dont il s'agit. Et qu'il faut trouver de nouveaux usages à la répétition, des nouveaux changements d'usage, et que là, il a su nous transmettre ce point dans ce qu'il a pu faire en œuvre avec Owen. Et dans ce qu'a dit enfin Owen, le point que je retenais, c'est qu'à la fin de son voyage, dans son expérience, il pouvait dire qu'il pouvait voir la beauté du monde partout. Qu'une fois que la beauté, c'est justement ce qui défie une qualification stricte, c'est au-delà de ce qui peut être pris dans un sens particulier. Disons, c'est un mot qui nous ouvre à une vision du monde plus ample et que, voilà, je le remercie pour beauté. Well, I echo everything you just said, certainly in English and in French. You know, those are the insights that we have come to over many years. And part of the joy of this moment is that we can offer you the yield, the product of 20 years of search and find. I thought what would be best is if we entertained questions from the audience. We have translators here, and so we can answer the questions of those in this group. We have, maybe 20 minutes to do that. So why don't people stand or come to the end of the aisle with questions, and we have people with microphones, okay? Yeah. Ça marche là? Oui. Je pense pas. Bon. Donc ce que proposait Vanessa Stein, c'est plutôt de recueillir toutes les questions pour ensuite y répondre. Donc, il a précisé qu'il était d'accord avec tout ce que disait Eric Laurent. Mais dans le micro derrière toi. Donc, Vanessa Skine a commencé par dire qu'il était d'accord avec tout ce que disait Eric Laurent, surtout en anglais. Son idée, c'est de partager, en fait, ici, aujourd'hui, avec nous, ce qu'ils ont découvert au fil des ans, donc nous en faire profiter aujourd'hui. La manière dont il voit les choses, c'est que toutes les questions soient posées et qu'ensuite, ils y répondent une vingtaine de minutes. Toutes les questions de la salle, en fait. I suppose then in we should have Owen do a few voices for you. Je voudrais poser une question. Yeah. Ça marche. Dans les cas d'affinity therapy qu'on a vu précédemment, on a constaté que les progrès se font souvent par saut d'une affinité à une autre. Il y a une perte qui permet un saut créatif, je dirais, très souvent dans les cas qui sont rapportés. Or, pour Owen, on n'a pas tout à fait ça pour le moment. Pourtant, j'ai lu dans un article qu'il semblait avoir une autre passion aujourd'hui. J'aimerais savoir quelle est la place de cette nouvelle passion qui est la lecture de la Torah. Et est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui pourrait faire progresser encore ses acquisitions en peut-être perdant un peu son intérêt pour Walt Disney,
et en s'intéressant à une nouvelle affinité qui lui apportera d'autres connaissances. Donc j'aimerais que vous me précisiez ça. Okay. A few things. Maybe translate as I speak. I'll pause. Okay. Okay. What we found is the affinities work like branches of a tree, that many of them are related to one another. We found this because we have many examples. People with many affinities are coming to us in America since the book is published and describing how the affinities are used. So someone might be interested in one type of movie and then move to a related genre of movies. They might be interested in vehicles, and then they move to ships and trains. So they often are links between the affinities instead of a discarding of one affinity for something very different. We find that doesn't happen all that much. As well, sometimes they are related. Okay, go ahead. I'm sorry. Donc, ce qu'ils ont réalisé, c'est que les affinités, donc ces intérêts spécifiques, c'est un peu comme les branches d'un arbre. Donc, il y avait des connexions entre ces différentes affinités. Ils en ont eu de nombreux exemples depuis la publication de son livre. Beaucoup de gens qui ont témoigné de cela. Lui, ce qu'il remarque, c'est qu'on passe souvent, par exemple, lorsqu'on a un intérêt spécifique pour les films, on peut passer d'un genre de film à un autre, ou bien si on s'intéresse aux véhicules, on peut ensuite s'intéresser aux bateaux ou aux trains, mais qu'il y a donc un lien entre les affinités, lorsqu'on passe d'une affinité à une autre. Généralement, ce ne sont pas des affinités ou des intérêts complètement différents. Well, let me give you the best example. Is a child who has no speech, nonverbal, typing, was interested in bees, bees, okay? The parents used bees. He was 8 years old. Maybe you can tell them that much. Okay. Just added, subtracted bees. They did geography. They did topology. They did bees are social. So they did social interaction. He became, at 11, an employee at a bee farm in California. Donc l'exemple le plus frappant, c'est celui d'un enfant qui ne parlait pas du tout, dont l'intérêt était centré sur les abeilles. Donc il avait 8 ans et en fait ses parents ont utilisé cet intérêt pour les abeilles pour lui apprendre un tas de choses, la géographie, l'orientation et les interactions sociales. Et à 11 ans, il est devenu, il a travaillé en fait dans une bee farm, dans un makes honey, makes honey. Comment on dit ça en français? Apiculteur. Voilà, c'est ça. Voilà, avec un apiculteur. After working at the bee farm for a summer, he types, and now it's flowers. 10 years later, he works at the largest organic nursery in California. He's their best employee. He knows more than the owner of the nursery. So the bees lead him to the flowers. He doesn't lose the bees. He keeps the bees. He adds the flowers. Maybe okay. You can describe that. Donc il a passé un été à travailler avec cet apiculteur. Ensuite, il est passé en fait à l'horticulture et il en sait plus maintenant
Il en sait plus maintenant sur les fleurs que le propriétaire lui-même. C'est tout. Voilà. Another question? Non, mais quelle est l'importance de la Torah pour Owen aujourd'hui? Est-ce qu'il étudie particulièrement? Well, I mean, Owen was bar mitzvahed and understood powerfully the way story defines us, which is what the Hebrew Bible is very much about. It is a story. And he took to this quickly. We had to search for a movie that would help. So we had two choices. The Prince of Egypt by Walt Disney Corporation, DreamWorks, and An American Tale, The Fievel Stories. We watched both of them. Owen used them as story. And then he very, very powerfully understood the meaning of the Hebrew Bible and the story that was part of his Parsha, his Old Testament passage that he read in Hebrew. He didn't read it, he memorized it. And that's part of a connection that I think is why Owen is very spiritual. Many of the children we find on the autism spectrum have powerful spiritual sensibilities. They do not see barriers between the earthly and the divine. When they talk to God, they really do talk to God. You could describe that. American Tale 5. Steven Spielberg. Steven Spielberg. Came out in 1986. Right. And Five Goes West, a theatrical sequel, came out in 1991. Donc Owen, pour Owen, ce qu'il comprend, c'est que les histoires nous définissent. Pour Owen, ce qui est important, c'est que les histoires nous définissent, et c'est de cela qu'il s'agit dans la Bible, la Torah. Pour faire le lien avec ça, ils avaient le choix entre deux films. Le Prince d'Égypte, en français, je crois que c'est Le Prince d'Égypte, donc qui est un film de Disney, et puis An American Tale de Spielberg, mais je ne sais pas en français, je ne sais pas comment ça a été traduit. Donc ils ont regardé ces films, ils ont utilisé ces histoires. Donc Owen a compris de quoi il s'agissait, il a mémorisé cela et le passage de l'Ancien Testament qu'il y avait dans le film. Et donc il insiste sur le fait que pour beaucoup d'autistes, ils ont une sensibilité avec tout ce qui est spirituel, et que pour eux, il n'y a pas de barrière entre le monde dans lequel nous vivons et Dieu, en fait. C'est ça. OK. There's a question. Could someone go to them with the mic? Merci pour cette belle rencontre. Thank you so much to be over there with us. Thank you so much. Thank you, Owen. I have a soft question for you. A soft question, very soft. Do you like tomatoes? Do I what? Do you like tomatoes?
Tomatoes. Does Owen like tomatoes? Yeah, I do. Okay. So, I am wrong. Never mind. And I want to say, but my language is not very good. I'm sorry. But speak in French. Vous pouvez parler en français et yes. traduire. Yes. No, it's not a question. It's not a question. Maybe. Brother. Les contre-paradoxes des affinités électives de Goethe ne nous font-elles pas penser que nous sommes les robots et les personnes autistes, les mutants, porteurs de l'espoir d'un monde meilleur? What did she say? She didn't translate that. Go ahead. Bon, en attendant, peut-être Ron. Mm-hmm. Okay. Okay. Ron. Il est d'accord. All right. So let's do the. We'll do quicker. Back and forth. Ron. Oh yes, Miriam. So. I speak in French because, you know, Ron, my English is so bad, okay? Aimer sa passion, you say that, you said loving his passion is loving who is he, isn't it? And dans ta présentation, vous avez dit que vous travaillez sur l'éthique. J'ai trouvé vraiment dans votre façon d'accompagner votre fils, un lien très précieux quant à notre éthique d'accompagner les autistes au quotidien, nous, les professionnels, qui pouvons travailler dans des institutions. Il y a une force quelque part, une force contraire. Déjà, Asperger, quand il étudie et qu'il écrit son livre à propos des autistes qu'il rencontre, note effectivement qu'ils sont capables de compenser leur handicap. Et ce qu'a fait Dan Griffin avec Owen, d'abord d'accueillir sa façon de parler les films Disney, ensuite d'y ajouter quelques petites phrases, et ensuite d'établir un dialogue avec Owen, eh bien, je le disais hier au soir à Cornelia, nous avons un mot qui dit cela dans notre orientation clinique du traitement des autistes, et Cornelia m'a répondu « It's a perfect word. Yeah. » And this word is soft forcing, and the program YAGO program is really. Vous voulez traduire ça? Ben, ah, d'accord. Elles ne peuvent pas. On va arrêter. What's the word?
The question is how therapists and others can see the possibilities and how difficult it is and how important it is for therapists. Okay. I believe the question is how to use the what might be regarded as weaknesses or deficits, and the journey for me was to forget what I was taught about some of these things, because self-stimulatory behavior, perseveration, is often regarded as a deficit, and if we left it as such, we would not if we would just use it as, say, something that one can do as for taking a break, for a reinforcer, I think we would have really missed a lot of the richness in that. And the point I tried to make was... Donc pour lui, ce qui est important, c'est la manière dont on peut utiliser ce qui est souvent présenté comme une faiblesse ou une déficience. Donc quand il a commencé à travailler avec Owen, il a été obligé il a dû oublier tout ce qu'on lui avait appris, puisque très souvent les comportements d'autostimulation sont présentés comme du côté d'un déficit, d'une déficience. Donc si on voit les choses comme ça, on passe à côté de richesses, en fait. Okay. The key word, I believe, is curiosity. When we were able to embrace Owen with curiosity, he would lead us often to where we thought we would go, but then he would surprise us. And unless we were curious and paid attention, we would not be surprised. And it was in the surprises that the bridges and the discoveries and the expansion was most available. Donc pour lui, donc le mot clé c'est la curiosité. C'est Owen qui les a guidés, qui les a emmenés là où ils n'auraient jamais pensé aller. Donc pour lui, il s'agit de faire preuve de curiosité et de faire attention, de prêter attention pour pouvoir être surpris. Et c'est ce qui permet justement d'élargir les possibilités et de construire des passerelles, des ponts. Let me just say very briefly, Henry Markram. I'm sorry. Yeah, I just want to say Henry Markram of the Human Brain Project, who believes what you said, calls them scouts of humanity, the autistic. Maybe you could say that. Henry Markram, the head of the EU's Human Brain Project, calls the autistic scouts of humanity, scouts, like guides to humanity. Henry Markram. Qui dirige donc le Human Brain Project, il fait référence aux autistes comme étant des guides, en fait. Des éclaireurs. Des éclaireurs. Des éclaireurs, les scouts. Donc Henry Markram, qui dirige donc le Human Brain Project, donc le projet sur le cerveau humain, présente. Fait référence aux autistes comme étant des éclaireurs. Okay. I would like, as time passes by, I'd like to ask a question to Cornelia Suskind, because we saw all the development of all these years of work with Owen, but it has a starting point. And it's always the origins that are even more mysterious. From what I read, it seems that all started when what could be seen as a brutal deficit, when there was only one word left, juice, there was your interpretation that you picked up the fact that juice meant in
was extracted from just your voice, and you interpreted it as he was searching to get back his voice. So could you tell us, how did it come up? How this crucial intuition could take place? Can you say that in French to them? Oui. Yeah. Ce qui m'a... Je voulais profiter de la présence de Cornelia Susskind, là, parce que là, nous avons le résultat, effectivement, d'un très long travail. Mais il y a un point de départ, et ce sont les origines qui sont les plus mystérieuses, peut-être. Or, de ce que j'ai lu, il me semble que tout commence par une interprétation princeps, au départ. C'est lorsque Cornelia s'aperçoit que ce qui peut être vu de façon déficitaire, comme un seul mot qui reste, jus, juice, c'est en fait... C'est un mot-valise, c'est un condensé de « just your voice » qui était le moment où la sorcière, n'est-ce pas, veut arracher la voix de la petite sirène. Et c'est une interprétation décisive, et je voulais lui demander comment elle a pu saisir ça au vol. I think, can you hear me? I think that the answer really lies with any mother in this room who understands what it's like to have a small child, and particularly have a small child who had skills and was, you know, neurotypical, and then loses all those skills. So you're looking, and I was looking at Owen with such constant vigilance that I was trying to interpret any little sign, whether it was physical or verbal. So as Ron said, we watched Owen's real pleasure at that very dark moment when he had skills and then lost them bit by bit by bit over a several month period. One of the only things that brought him pleasure was watching a Disney movie. And so we would watch them over and over again. And I realized the intensity with which he was watching them, that I would hear little words coming out that I recognized, even though his language was very garbled at that point, I could recognize little words from the movies. And it started to occur to me that he was putting them together as thoughts that he was trying to communicate with us. And we watched one particular movie one day when he had been saying juice, and indeed he was only saying that one word. But I realized from his facial expressions when we were watching the movie that he lit up, and that was what he was connecting with. Just her voice. Just your voice. Cool. Translate. Okay, good. Donc, comme l'a dit mon mari, ils ont vécu des moments donc, très difficiles quand Owen a perdu ses capacités pendant plusieurs mois. Le seul plaisir qu'il avait, c'était de regarder ses films de Disney encore et encore. Et ce qui était notable, c'est l'intensité qui se dégageait de quand il regardait ses films. Elle reconnaissait alors quelques mots en fait qu'il disait, qui étaient des mots extraits des films. Et c'est à partir de cela qu'elle a eu l'idée qu'il essayait de communiquer avec eux, et notamment donc ce terme juice, donc elle comprenait initialement comme juice. Quand elle a vu l'expression sur son visage, quand il a regardé le film, donc La Petite Sirène, au moment où la sorcière dit just a voice, donc elle a vu que son visage s'illuminait et que c'est ça en fait qu'il voulait dire, non pas jus, mais just a voice, donc quelque chose qui faisait référence à la voix et au fait de l'avoir perdue. I'll just say this. Over 20 years working, all over 20 years working round the clock with Owen, Cornelia has been my hero and our hero. Just say that and we'll be done. Okay.
Donc pendant 20 ans, elle a, donc Cornelia a travaillé sans relâche auprès d'Owen, et pour ça, c'est l'héroïne de Frances Cain. Voilà. Merci beaucoup. Bien. Merci beaucoup Aaron, Owen et Cornelia Soskins. Nous allons faire un petit break de 10 minutes. La pause est bien entendu raccourcie puisque nous sommes très en retard. Merci.